días clase. Hoy es un placer para mí para presentar a ustedes este curso especial en un contexto bastante difícil, pero como sabemos, no puedo quedar la educación, no puedo dejar a ustedes solo en esta situación. Para es la razón para la cual tenemos hoy a presentar a ustedes un curso español en una manera especial. Eh bien, bonjour mes élèves, donc je suis très content de vous rejoindre dans un contexte assez difficile aujourd'hui, donc nous allons essayer de faire quelque chose spécial parce que nous vivons une période spéciale dans l'année. Donc, vous présentez un cours donc, sur vidéo, je crois que ça c'est très important et pour vous aider et surtout pour vous aider à rester chez vous tout en continuant de rester d'être des apprenants. Donc, et comme on avait d'ailleurs le mois d'octobre, décembre, non, d'abord septembre, octobre, décembre, on avait déjà passé une période creuse dans l'éducation. On n'a fait que 3 mois d'école et maintenant nous voilà en face du coronavirus et on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Mais de toute façon, donc on doit continuer, l'école doit continuer, l'apprentissage doit continuer. Donc pour aujourd'hui, on va présenter à vous las preposiciones. Las preposiciones, como en francés, tenemos varias preposiciones en español, como a, en, para, por, detrás, antes, de, etc. Con también es una preposición. En esta traducción, porque nous avons, vous savez, la traduction de dans en espagnol. Donc, nous avons en qui se traduit généralement dans en français, mais on dit on traduit dans aussi par dentro. Dentro, on traduit dans par dentro, c'est quand dans est suivi d'une durée de temps. Quand dans est suivi d'une durée de temps, on le rend par dentro au lieu de en. Ejemplo, si je veux dire dans en dans 3 jours, si je veux dire dans 3 jours, je ne peux pas dire en 3 días. Non, je ne peux pas dire en 3 días. Je préfère dire dentro tres días. Dentro 3 días. Ouais. Donc ici il y a donc 3 jours qui représentent la durée du temps. Et bien ici dans devient, ok, dans se traduit par dentro, non par en. Ok, gracias. Por ejemplo, si yo quiero tomar esta expresión también para decir super, quand on veut dire super, ok, on dit dentro poco. Dentro poco. Hein? Donc, sous peu. Dentro poco. Bien. Y en. Generalmente, en esta regla, se dice las preposiciones es una palabra invariable. Donc, la preposición c'est un mot invariable. Donc, on n'arrive pas à dire donc ça c'est féminin singulier, masculin singulier, féminin pluriel, masculin pluriel. Donc, ça reste invariable. Et nous allons voir aujourd'hui les 4 prépositions les plus fréquentes. Les 4 prépositions les plus fréquentes, nous allons voir comment les utiliser en espagnol. Et ça, tenemos a, de, en,
et cogne. Donc, ce sont les trois prépositions les plus utilisées donc, en espagnol. Donc, dans les phrases, vous rencontrez ça partout, dans les phrases, dans les expressions. Donc, c'est très intéressant. Allons voir comment employer A en espagnol. Donc, on dit, se emplea A, généralmente. OK? Donc, vous avez déjà la note, vous allez suivre avec moi tout simplement. On emploie A, se emplea A. Premièrement, se emplea A. Primera, hein? On emploie A premièrement, c'est d'abord quand on a à introduire un complément d'objet direct de personne. Quand on a à introduire un complément d'objet direct de personne. Donc, c'est dit, par exemple, on dit, on emploie A, bien, on emploie A, donc c'est devant un nom, devant un complément d'objet direct de personne ou d'animaux ou des choses personnifiées. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Yo, ejemplo. Yo quiero. Ouais. Yo quiero a María. Yo quiero a María. Eso sabe. Quiero. Yo quiero a María. Hein? Donc ici, j'aime qui? Marie, Maria, Maria, complément d'objet direct, donc de père, donc il fait référence à une personne, donc ça veut dire qu'ici, on doit introduire la préposition A. Est-ce que c'est clair? Donc on doit introduire la préposition A. Si je dis je veux donc visiter l'Espagne, hein? Donc je dis Yo quiero visitar, vous voyez, visitar a España, ouais. Donc a España. Qui peut visiter l'Espagne? Est-ce qu'une maison peut visiter l'Espagne? Non. Est-ce qu'une chose peut visiter l'Espagne? Donc c'est une personne qui peut visiter l'Espagne. Donc dans ce cas, on fait l'introduction de la préposition a. Je viens de le dire, on emploie A donc devant un complément d'objet direct de personne. Donc un complément d'objet direct de personne, animal ou de choses personnifiées. Bien. Cuidado. Cuidado. On emploie aussi A. Hein? On emploie aussi A. Deuxièmement, on emploie A. Après un verbe de mouvement, on emploie A, donc después de un verbo de movimiento, después de un verbo de movimiento, después de un verbo de movimiento, donc on emploie A après un verbe de mouvement. Vous allez voir quels sont les verbes de mouvement que vous connaissez. Hein? On a ir. Ir, c'est un verbe de mouvement. Donc, volver. Alors, ir qui signifie aller. On a marcher. C'est un verbe de mouvement. On a aussi, donc, como, hein? Retourner. Ce sont des verbes de mouvement. Donc, quand on va donc, employer un verbe de mouvement, donc, quand on doit faire appel à une préposition, eh bien, on fait l'appel à la préposition A. On fait appel à la préposition A. Par exemple, si je veux dire je vais, hein, je vais donc, quoi? À la maison de mon père. Je vais à la maison de mon père. Je dis Yo voy, donc vous voyez, voy, presente de indicativo del verbo ir.
Par exemple, l'indicatif du verbe ir. Yo voy. Qu'est-ce qu'on doit dire? Donc, a la casa. Voy a la casa de mi padre. Voy a la casa de mi padre. Bien. Voyez? Voy a la casa de mi padre. Donc, on emploie a ici parce qu'on a le verbe ici, voy, qui est un verbe de mot de mouvement. Donc, voy a la casa de mi padre. Je vais à la maison de mon père. Dans ce cas, si on n'avait pas de complément déterminatif, vous voyez? Si on n'avait pas le complément déterminatif qui est de mi padre, on avait seulement, on devrait dire que voy, je vais donc à la maison. Si je veux dire je vais à la maison, donc il n'y a pas de mi padre. Dans ce cas, je vais enlever l'article là. Ça, c'est une autre règle, encore en espagnol. C'est pourquoi on dit l'espagnol est difficile, mais je dis de préférence, l'espagnol est compliqué. Donc, ici, on n'allait pas dire que s'il n'y avait pas, je viens de le dire, s'il n'y avait pas demi-padre comme complément déterminatif, donc, on n'a qu'à supprimer l'article là. Mais, on doit toujours conserver la préposition « à » parce que ça va placer après un verbe de mot de mouvement. C'est clair? On dit « voy ». Si je dis « voy a casa », donc c'est « je vais chez moi, je vais à la maison ».« Voy a casa », »,« je vais à la maison ». Quelle maison? On ne sait pas. Il n'y a pas de problème déterminatif. Mais si je dis « yo voy a », ok? Casa de mi padre, je dois écrire là, donc l'article correctement, parce que puisqu'il y a un complément déterminatif, le complément déterminatif exige l'emploi de l'article là. Bien, est-ce par la préposition à? C'est un préalable que la préposition a para expresar una época. Ok? Para expresar una época. Bien, c'est un préalable la préposition a para expresar una época. También el precio, el valor corriente y el instrumento también. Donc, on emploie aussi a pour indiquer. Donc, pour indiquer une époque, le prix, par exemple, une valeur courante et l'instrument. Par exemple, si je dis hein, estoy à la puerta. Ok, estoy a la puerta a las 10 en punto. A las 10 en punto. ¿Eh? Estoy a la puerta a las 10. ¿Vale? Ici, a las 10 en punto. Je suis a la porte à 10h pile. Donc. Desde a las 10 en punto. Je suis là, donc je suis ici, je suis à la porte, je me trouve là depuis donc à 10h pile, donc à las 10. On fait l'introduction de l'article, de la préposition à aussi. Donc, est-ce que c'est clair pour la préposition à? Je viens de le dire, on emploie à premièrement pour quand. Donc, je viens de dire que la préposition A s'emploie premièrement devant un complément d'objet direct de personne. Vraiment devant un complément d'objet direct de personne. Donc, d'un animal ou d'une chose personnifiée. Deuxièmement, on emploie A après un verbe de mouvement. On emploie A après un verbe de mouvement. Et on emploie la préposition à pour indiquer une époque, donc un prix et donc
l'instrument, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est clair pour la préposition. Passons à l'emploi de la préposition des. Empleo de des. Empleo de des. Ouais, ici c'est des significa l'emploi de la préposition des. Ok? Empleo de des. Se emplea la preposición de en los casos siguientes. Primera, para indicar la manera. Para indicar la manera. Eso sabe. Para explicar la materia, la materia. ¿Ah? Para expresar la materia. Hein, on emploie la préposition de premièrement pour indiquer la matière. Hein? C'est prêt à la préposition de première pour expliquer, pour indiquer la matière. Par exemple, je dis cette maison est en ciment. Si je dis cette maison est en ciment, je dis esta casa. Es de, voyez la préposition de cemento. Hein? Es de cemento. Hein? Esta casa es de cemento. Donc, ici, pour indiquer la matière de cemento, donc c'est, ça indique la matière avec quoi son nom. Normalement, c'est la maison. Donc, avec quoi on fait donc, hein, la construction de la maison. Je vais prendre un autre exemple. Si je dis cette table est en bois, donc hein, cette table est en bois, je dis esta mesa, hein, esta mesa es de, voyez encore, es de madera. Esta mesa es de madera. Bien. Cette maison, alors cette table est en bois. Donc, ça c'est l'application normalement de la préposition de. On emploie la préposition de pour indiquer premièrement la matière, deuxièmement pour indiquer la possession, para indicar la possession. C'est imprimé à la préposition a, b. Vous savez, D, pour indiquer la possession. Nous travaillons avec D. Ejemplo. Si je vous demande un exemple de l'emploi D comme dans un contexte donc, de la possession, on dirait bien, c'est este coche, es de mi padre. Este coche es de mi padre. Ça veut dire, cette voiture est à mon père. Cette voiture est à mon père. Vous voyez ici? Donc, on a la préposition de. Donc, de qui est cette voiture? De qui est la voiture? La voiture est à mon père. Donc, ici, on a la possession. Donc, la voiture est la possession de mon père. Donc, pour indiquer la possession, on emploie la préposition, on emploie la préposition de. Bien. Je viens de dire. On n'a pas D pour indiquer la matière, on n'a pas D pour indiquer la possession, et troisièmement, on n'a pas D hein, pour indiquer l'origine, hein, la proveniencia ou l'origine. Origine. Donc, pour indiquer l'origine. Donc, ça veut dire que si je dis je suis
Donc, de Wanamet, où je viens de Wanamet, ejemplo, yo digo aquí, ejemplo, yo soy, yo soy de Wanamende. Yo soy de Wanamende. Je suis de Wanamende. Yo soy de Cabo Haitiano. Yo soy de Jeremy. Yo soy de Jacmel. Je suis de Haïti, je suis de Venezuela, etc. Donc, dans ce cas, on dit donc, on a regardé pour indiquer l'origine. D'accord? Est-ce que c'est clair? Des emplois pour indiquer la matière. Deuxièmement, pour indiquer la possession. Et troisièmement, pour indiquer donc l'origine ou la provenance. Claro que si. Comment est-ce que tu es classé? Si bien. El español, como le digo, es muy difícil, ¿Es verdad? No. Yo digo, el español es muy aplicado. No, es muy aplicado. Y troisièmement, on a el empleo, y no es cual, El empleo de la preposición en. ¿Vale? La palabra de en. On dit c'est A, D, N, con, qui sont les prépositions les plus employées ou les plus fréquentes en espagnol. On n'a pas N, donc c'est pour indiquer le lieu. Para indicar el lugar, on habla en para indicar el lugar, o indiquer le lieu. Par exemple, ici, si on m'appelle, on dit donc, Señor Bianco, ¿dónde está usted? Donc, on me demande, où êtes-vous maintenant, Monsieur Mirko? Je dirais donc, yo estoy en, vous voyez? Yo estoy en clase. Ou yo estoy en casa. Yo estoy en el museo. Vous voyez? En el museo. Donc ça indique le lieu. Je suis en classe, je suis à la maison ou je suis au musée. Donc, ici, donc, ça c'est pour indiquer le lieu. Donc là où donc, vous réalisez quelque chose. Cela veut dire que vous n'allez pas rester définitivement. C'est ça qui exige aussi l'emploi des verbes estoy. N'oubliez pas. Donc, ici, lorsqu'on emploie le verbe estoy, cela sous-entend que cette action-là est passagère. Cette action-là est passagère. Et avec le verbe sel, l'action doit être permanente. Et pour que le verbe estal, c'est passagère. Donc, c'est pourquoi ici, je dis yo estoy. Je ne dis pas « yo soy en clase », « yo estoy en clase » parce que après quelques heures, je dois laisser la classe pour aller dans d'autres bars. D'accord. Bien. Continuamos. Se emplea también. La parte muy interesante, amigos. B. Se emplea en... para indicar la penetración o la entrada. Ah, bien, así bien, para indicar la penetración. Pour indiquer la pénétration ou l'entrée. On emploie aussi, on fait l'usage de N comme préposition. Par exemple, je dis, benditos
Est-ce que ça va? Los benditos. Est-ce que vous savez, on a un exemple très intéressant. Hein? Los benditos. Donc, ça signifie quoi? Hein? Les bons dit quoi? Hein? Los benditos entraron. Los benditos entraron en. Ok? En el almacén anoche. ¿Ah? ¿Eso es claro? Los benditos entraron en el almacén anoche. Les bandits entrèrent dans le magasin. Voyez un ici. Donc ça indique la pénétration. Los benditos entraron en el almacén anoche. Les bandits entrèrent dans le magasin hier soir. Les bandits entrèrent dans le magasin hier soir. Est-ce que c'est clair? Donc, on a quoi un pour indiquer, premièrement, le lieu. Et on a quoi un aussi pour indiquer la pénétration ou l'entrée. OK? Dans la última parte, hein, la última parte, tenemos la preposición. Yo puedo borrar aquí. Yo borro aquí, bien. Yo borro aquí. C'est siempre amigos. Amigos, c'est emplea con. Emplea con. El empleo de con. Con que significa avec. Es muy fácil, siempre a con para indicar la mezcla, ¿eh? Para indicar la mezcla que significa el mélange, ¿eh? La mezcla o el instrumento, instrumento. Donc, on emploie en para indicar el mélange o el instrumento. Por ejemplo, ejemplo, ¿eh? Ejemplo, yo bebo café, café con, ¿cuál es? Con leche. ¿Eh? ¿Es que es claro? Yo bebo café con leche. Je bois du café, donc, du café au lait. Donc, ici, le café au lait, ça indique le mélange. ¿Eh? Yo bebo, en vain, el café con leche. Ok, y la segunda parte, bien, la segunda parte, él se defendió con su espada. Espada. Entonces, se defendió con su espada. Deuxièmement, ça se puede indicar, le primer donde il se défend à l'aide de son épée. Il se défend à, donc avec son épée. Él se defendió donc con su espada. Bien. Ahora es claro para ustedes, amigos. Bien.